Salut, j'ai avec moi l'incomparable Cléa Thibault. Bonjour Cléa. Allô. Bienvenue dans le studio virtuellement. Oh, merci. À chaque semaine, Cléa nous présente les recettes, les astuces et les bricots de BTV. Et Cléa, aujourd'hui, j'ai préparé une foule de questions pour mieux te connaître. Hein? Parfait. On va commencer avec des questions un peu plus faciles. T'es prête? Oui. Allons-y. Cléa, quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Et où habites-tu? À Edmonton, en Alberta. Est-ce que tu as un animal de compagnie? Non, j'ai pas d'animal de compagnie. Dommage. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ton temps libre, Cléa? J'aime passer du temps avec mes amis et jouer au basketball. Claire. OK. Là, ça va passer vite. Fait que réponds le plus rapidement possible, puis t'as pas vraiment trop besoin de penser à ta réponse. C'est parti! Préfères-tu faire le repas ou faire la vaisselle? La vaisselle. OK. Manger à table ou manger sur le divan? Le divan. Est-ce que tu réchauffes tes restants de restaurant avant de manger? Non, jamais. Quel ingrédient est-ce qu'il y a toujours dans le fond du tiroir de ton frigidaire? Les cornichons. Pourquoi des cornichons? Parce que c'est bon. Okay. C'est important d'en avoir. On les met sur tous les cornichons dans la maison, Cléa. Popcorn ou chips? Chips. Bonne réponse. Crème glacée ou popsicle? Crème glacée. Bonne réponse encore. Quelle est ta recette préférée à BTV cette saison? Le pain de campagne. Hey, il était tellement bien fait. J'ai vu le résultat, j'étais comme, mon doux, Cléa est rendue boulangère. Aïe. OK, brocoli ou carotte? Carotte. Lait de poule ou lait de chèvre? De chèvre. Wow, OK. Soupe ou salade avec ton repas? Salade. OK, là on passe au bricot. Peinture ou papier mâché? Peinture. Bracelet d'amitié ou porte-clés en perles? Bracelet d'amitié. Qui dans ton entourage fait les meilleurs bricots? Ma tante Mimi. Ah! Qu'est-ce qu'elle fait de bon, ta tante? Elle fait beaucoup de scrapbooking. Elle est vraiment, vraiment bien. C'est noté. Si jamais j'ai des scrapbooks, je saurai à qui parler. Retaille de vêtements ou retaille de papier? De vêtements. Est-ce que tu réutilises ou tu recycles? Je réutilise. Tant mieux. Bâton de colle ou colle blanche? Bâton de colle, ça fait moins de dégâts. C'est mieux. Sauf que t'aimes pas peler la colle blanche de tes doigts de temps en temps. Ouais, c'est vrai que ça, c'est le fun. Crayon feutre ou crayon de bois? Crayon feutre. Tu improvises ou tutoriel? T'improvises. OK. Courageuse. Est-ce que tu bûches le soir avant un examen ou tu étudies par-ci, par-là tous les jours? C'est plutôt bûcher que de par-ci, par-là. Correct. Il n'y a rien de mal avec ça. Magasinage en ligne ou en personne? Évidemment, en oubliant la COVID. En personne. Où j'étais? OK. Est-ce que ta chambre à coucher est bien organisée ou plutôt en désordre? En désordre, malheureusement. C'est correct. Est-ce que tu lis les instructions avant de commencer un projet? Oui, toujours. Moi, non. OK, une dernière question. Quelle est la meilleure astuce que tu as pour faire des vidéos semblables à BTV? Juste garder le gros sourire, puis vas-y, t'es capable. C'est une très bonne astuce. Bien, c'est tout, Cléa. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment appris à mieux te connaître. Oui, merci beaucoup. Si cette vidéo vous a donné faim, vous pouvez aller découvrir toutes les recettes de BTV dans la liste de lecture qui se trouve sur notre chaîne YouTube ou sur le site web d'Onga. Et entre-temps, si vous avez d'autres questions à poser à Cléa, vous pouvez nous écrire sur Instagram, sur Facebook, par courriel. On est là pour vous répondre et on a hâte d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Cléa. À la prochaine! Merci, bye-bye! Bye!